Allez, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc sur Demon Slayer. Alors, petite information, dans la dernière vidéo, j'ai dû couper pas mal de morceaux parce que, étant donné qu'ils exploitent les musiques originales de l'anime, il y a de gros soucis niveau droit d'auteur et c'est même plus au niveau de la monétisation les problèmes, mais carrément ma vidéo est bloquée dans le monde entier. Donc, les fragments de souvenirs, je ne pourrai plus les faire parce qu'il y a trop de musique et du coup, c'est ce qui a posé problème. Donc, on se concentrera sur les morceaux principaux de l'histoire et il va falloir que j'essaye de parler le maximum possible pour couvrir la musique de manière à ce que YouTube ne strike pas la vidéo. C'est compliqué, franchement. Je sais pas comment faire, je sais pas s'il n'y a pas une option pour le stream. Je sais que c'est de plus en plus commun, ça. Mais visiblement, ils ne l'ont pas fait dans ce jeu et c'est un petit peu dommage parce que du coup, pour streamer un jeu comme celui-ci, c'est franchement super compliqué. Mais bon, que voulez-vous, on n'a pas le choix. Bref, aujourd'hui donc, on attaque la suite du chapitre 1 avec du coup... Enfin, la suite. On était au prologue, on passe au chapitre 1 avec donc la sélection finale. Et on attaque l'histoire avec le dernier obstacle. C'est parti. Tanjiro s'est entraîné longuement et durement avec son maître, Monsieur Hulo Koraki-san, afin de trouver un moyen de redonner son humanité à sa sœur et de venger sa famille. Après avoir vu Tanjiro réussir l'épreuve du Roger M, Urodaki-san l'autorise à participer à la sélection finale, la dernière étape pour devenir un pourfendeur de démons. Donc, je sais pas si là on va aller à la sélection ou si il va y avoir de la cinématique. Ça fait bizarre de revoir tous ces décors. J'espère qu'il n'y aura pas trop de musique. Ça rappelle des souvenirs. はい。もう少しで飯ができる。固して待っていろ。すみません。ご飯なら俺が作るのに。構わん。いよいよ最終選別だ。これくらいはしてやろう。 ごちそうさまでした。いよいよだな。はい。最終選別は富士笠山で行われる。わしも何度か行ったことがあるが、とても不思議な場所だ。不思議な場所ですか？あれは自分の目で見た方がいい。お前も驚くだろう。 これは？役女の面という、お前を災いから守るようにと、まじないをかけておいた。持っていくといい。はい、ありがとうございます。 On est vraiment mal barré pour ce qui est du... des musiques. Naze Tomioka-san ga Nezuko o utatsu ni Urokodaki-san o oshiete kureta no ka wa yoku wakaranai. Demo Tomioka-san no okage de ima no ore tachi wa iru. Kisatsutai ni ryutai sureba sukunakarazu oni no jōhō ga te ni hairu. Sore ga ネズコを戻す方法を知る一歩だと俺は思う。そのためにも最終選別に合格しなければ。ネズコ。
鱗滝さんのところに来てからずっと眠ったままだ。医者に見せても異常はなかった。でも眠り続けるのは明らかにおかしい。まさかこのまま死んでしまうんじゃないかといつも考えてしまう。大丈夫だよな、禰豆子。 兄ちゃんは少し外に出ていくけど、すぐに戻ってくるからな。いい子にして待ってるんだぞ。 妹のことは心配するな。わしがしっかり見ておいてやる。ありがとうございます。炭治郎、お前はわしと同じで鼻が利く。それが最終選別を戦い抜く鍵となるかもしれん。鼻？嗅覚を研ぎ澄まし、危険を察知しろ。お前ならできる。そして必ず生きて戻ってこい。 Et c'est parti pour la sélection. Oh, on est en mode exploration. Il y a deux cartes disponibles. Celle-ci se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran et offre une vue détaillée de votre environnement immédiat. Carte complète, elle montre l'aperçu général de la zone que vous êtes en train d'explorer. Affichez-la en appuyant sur triangle. Ok. Progresser dans l'histoire en vous rendant aux endroits indiqués par les points d'exclamation ou en discutant avec les personnages qui s'y trouvent. Lorsque vous explorez, vous pouvez mettre le jeu en pause et en appuyant sur menu. De là, vous pourrez accéder aux récompenses, enfin bon, le menu habituel quoi. Bon, on n'est clairement pas en face de la plus grande technique visuelle de jeu vidéo de l'époque actuelle. Mais ça fait plaisir dans un jeu de combat d'avoir droit à ça. C'est du fanservice et franchement j'adore. Donc apparemment on a un point d'exclamation ici. L'icône que vous pouvez trouver sur la carte ou en explorant les zones indique une mission de récompense disponible. Terminez toutes les missions de récompense d'une même série pour débloquer un panneau de récompense. Il y en a un autre juste ici. Et du coup, c'est réussi. Ensuite, il y a ça ici. Vous pouvez consulter les fragments de souvenirs. Ok, donc ça permet de débloquer, je m'en doutais, des fragments de souvenirs. Et ça, c'est quoi? Interagissez avec les points lumineux sur le terrain pour obtenir des points Kimetsu. Ils vous serviront à débloquer des panneaux de compétences. Pensez à bien explorer chaque recoin d'une zone pour en obtenir le plus possible. Et donc on doit aller par là-bas. La question c'est, est-ce qu'on va se restreindre à une si petite zone ou pas? Et là il est choqué qu'ils connaissent ces noms-là. Tanjiro, naze omae ga shinda anoko tachi no na o shitte iru. C'est franchement pas dégueu quand même. Ouais, je m'en doutais, on va directement à la sélection. C'était une toute petite partie explorable. On va voir un petit peu ce qui nous y attend. Effectivement. Mais ça repousse les démons. D'où le fait qu'on ait la glycine. Et voilà tous les participants. Il y en a pas mal quand même. Elle est flippante, elle. Mais non, même ici on peut explorer. Ah, c'est génial. Alors. Comment il s'appelle lui? Zenitsu, je crois, si j'ai bonne mémoire. Lui, ça m'étonnerait pas. Alors, parce que. Il faudrait que je revienne en arrière. Mais je crois que lui, c'est celui de la tête de sanglier, Inosuke. Il est très violent dans le genre.
Et elle, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle va être dans la maison où on va se soigner à un moment donné, je crois. Mais je sais plus du tout comment elle s'appelle. Fais voir. Peut-être qu'en lui parlant, on le sera. Même pas. Zenitsu ? C'est marrant parce que tu vois les personnages fat qui servent à rien, ils sont tous en gris. Et les personnages importants de l'histoire, en fait, ils sont colorés, on voit qu'ils ont fait de l'effort sur les dessins, quoi. Du Zenitsu tout craché. Et Inosuke ? Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, c'est l'auteur de démons. Bon, on va leur parler. Hein. Bien sûr que je suis prêt. J'attends que ça. この藤笠根山には鬼殺の剣士様方が生け捕りにした鬼が閉じ込められており、外に出ることはできません。山の麓から中腹にかけて鬼どもの嫌う藤の花が一年中狂い咲いているからでございます。しかしここから先には藤の花は咲いておりませんから、 鬼どもがおります。この中で7日間生き抜く。それが最終選別の合格条件でございます。では、行ってらっしゃいませ。 C'est dingue de pouvoir infliger ça à des gamins, quoi. On les met en cage pendant 7 jours avec des démons. Et on sait pertinemment que beaucoup vont mourir en plus, c'est ça le pire. Mais bon. Oh là 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 là, je vais me faire strike, je le sens, je vais tellement me faire strike, c'est horrible. C'est quasiment infaisable de faire des vidéos sur ce jeu, parce qu'il y a trop de, de copyright. Il va y avoir du strike partout et je pense que franchement si je me fais trop strike la vidéo, je pense que ce sera la dernière sur Demon Slayer, ça sert à rien de jouer avec le feu. Susume. Est-ce qu'on aura de l'exploration ou pas là? Eh oui, putain mais c'est génial ici, mais je m'attendais tellement pas à ça. Même si c'est un peu, même beaucoup tunnel, on a vraiment toute la zone... Une grande zone explorable. Ah, c'est génial, j'adore. Et est-ce que du coup, ça va nous amener au combat contre les démons directement sur la carte? Parce que si c'est le cas, en vérité, je trouve ça vraiment génial. Ça rajoute vraiment un côté aventure, en fait, à un jeu de combat. Et je trouve ça génialissime. Je pense que ce jeu, je vais vraiment, vraiment l'aimer. Déjà, se retrouver dans les décors de l'anime. Moi, ce que j'aime avec les jeux qui sont inspirés ou qui viennent d'un anime, c'est avoir l'histoire de l'anime. C'est revivre l'anime, mais en étant le personnage. Et là, pour l'instant, pour moi, il a tous les traits de ce que je veux dans un jeu, quoi. Le garçon avec qui j'étais s'est fait tuer par un démon sous mes yeux. J'ai peur, je ne peux pas bouger. Il y a peut-être un démon tout près. Moi aussi, je devrais faire attention. Ah bah oui, d'ailleurs, on va se battre contre des démons, là, ça c'est obligé. Du coup, j'aimerais bien explorer un petit peu la zone et ne rien rater dans cette zone. Mais évidemment, le temps compte pour les combats et la notation finale. Donc, on va pas non plus y passer la journée. Alors, il y a un truc un petit peu plus haut, mais je pense qu'on ne peut pas y arriver par là. Hein. Ouais, il faudra faire le tour et revenir. Donc là, on va aller par là-bas, à l'intersection, et repartir du coup, enfin plutôt partir tout court vers le haut. Ah, tu m'étonnes. C'est magnifique, j'adore. Ah bah là, il va y avoir un combat, c'est sûr. C'est large, c'est grand. Ah, c'est stylé! Bien sûr que tu vas y arriver, t'es un gilo. Dans les combats où l'adversaire a une jauge au-dessus de la tête, vous pouvez voir apparaître le
vilain de faille. Après préparer une attaque avec aura, inclinez L en appuyant simultanément sur R1 ou lorsque sa santé est faible. Profitez de cette ouverture en appuyant sur triangle pour abattre votre adversaire en un seul coup. Inclinez rapidement L en appuyant simultanément sur R1 pour adopter une posture de parade. Si l'adversaire vous attaque à ce moment, vous réussirez à contrer son attaque, cela le déséquilibrera et laissera un instant sans défense. Profitez pour attaquer. Ok, là on est contre des démons. Mince, j'ai voulu esquiver mais j'ai raté. Parce que pour esquiver, c'est vrai que c'est plutôt haut. Non! Ok. Ah purée, j'ai pas encore le... Oula, le final de la faille. Ah, c'est beau. On l'a eu, premier démon. Et du coup, j'ai pas ma barre de vie qui se restaure, forcément. Il faut que je me rappelle des autres attaques. Y a pas moyen de voir la liste des commandes. On a triangle pour la technique 1, triangle, voilà la roue d'eau, je l'ai fait. Triangle en maintenant R1 et pour le pouvoir ultime c'est R2, L2, voilà. Donc celle que je cherchais c'était le triangle en maintenant R1. Ah oui, voilà, d'accord, ok. Olé! Oh mince. Allez. Et le filin, le voilà, on y est. Et voilà, on a pourfendu les deux démons. Bien évidemment, le rang, il est pourri parce que j'ai été très nul, mais c'est pas grave. Une fois que j'aurai vraiment bien compris le gameplay, je pense que je pourrai vraiment améliorer mon score dans les morceaux de l'histoire. Vu ce qu'il t'a fait faire comme entraînement, c'est pas très étonnant. Exactement. On va donc continuer notre petite avancée. Je vais partir vers la gauche au hasard un petit peu. Et donc on a quelqu'un qui est mort, j'ai l'impression. Ah non. Ok, lui il deviendra pas pourfendeur, clairement, c'est sûr et certain. Voyons voir la carte, on a un cul-de-sac à droite donc on va y aller et ensuite... Ah non attendez, c'est là le cul-de-sac. Non. En explorant une zone avec Tanjiro, vous pouvez parfois suivre des odeurs à l'aide de R2 pour révéler un chemin jusqu'à votre destination. Ceci n'est possible que lorsque R2, suivre l'odeur, est visible sur le côté gauche de l'écran. Ah mais ok d'accord, c'est par là qu'on est censé aller j'ai l'impression. Je pensais que c'était un cul-de-sac, mais au final, pas du tout, parce qu'en fait, c'est lié à la fin. Donc, on ira après par là. On va d'abord aller là, parce que je veux aller chercher quelque chose en particulier. Ah, mais c'est bloqué! Donc, en fait, on n'a pas le choix. Ce sera forcément par là. Oh
Ok, donc là on peut suivre l'odeur comme ils viennent de nous... Oula. En plus je joue avec un casque donc c'est super stylé parce que j'ai les sons en 3D et tout, c'est oufissime. Ah ouais d'accord, la mise en scène elle est poussée jusqu'à voir les gens partir en courant. Donc là j'imagine que c'est à lui qu'on va pouvoir parler. N'approche pas, fiche le camp. Ça va, du calme, je t'en prie. Dégage imbécile, si on reste ensemble, un aimant va nous trouver, va-t'en. Ok. C'est bien qu'ils aient mis ce pouvoir parce que Cédric il est très fort au niveau de l'odorat. Et c'est parti, un petit combat de démons. Donc cette fois-ci on va essayer de bien faire. Mince! Eh ben c'était expéditif. Déjà je trouve que j'ai eu un petit peu plus de facilité et du coup effectivement mon rang est S, je m'en doutais un petit peu. Parce que c'est vrai que j'ai réussi quand même beaucoup plus rapidement que tout à l'heure à le battre. Bref, continuons à suivre l'odeur. Ouh ça a crié là, là ça a crié grave. C'est Inosuke. Ok, on va donc continuer. Alors attendez, parce que là du coup, ils m'ont empêché d'aller vers là. Alors que là, il y a un truc à récupérer. Donc on va tout de suite aller le récupérer et ensuite on pourra aller vers le bon endroit. 50 points Kimetsu obtenus. C'est franchement génial. J'ai lu un test où il disait que les phases d'exploration étaient un peu inutiles, mais moi je trouve ça pas du tout utile, pas du tout inutile dans le sens où bah, pouvoir se balader dans la zone finalement de la sélection finale, déjà je trouve ça génialissime quoi. Ah mince. Il y a eu un petit mort. C'est chiant qu'il puisse me contrer aussi facilement. Mais on n'a pas de touche d'esquive vraiment ouf. Alors lui, il est beaucoup plus fort déjà. Là, je lui ai fait beaucoup de dégâts. Faut pas lui laisser le temps de se relever. Mince, mince, mince! Ah! C'est bon, le filin est là. Bon, là par contre, je pense plus que je vais avoir un rang soit A, soit B. Ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais un petit peu. Le pauvre, il est mort. Et oui, forcément que tu peux pas l'aider. Alors attendez, par où on est censé aller? Bon, on n'a pas le choix, tout simplement. On doit aller par là-bas. Oh, c'est stylé! Ah, il y a Zenitsu. Oh,
一人で怒ってる。ただでさえ周りは暗いし、なんで俺なんかが参加しなきゃいけないの。俺嫌だって言ったのに。いやーこそ出たでしょ。もういやー。リジニアル。風で木が揺れただけなんだけど、参加者にもいろんな人。Ouais, ça c'est le cas de le dire. Ça c'est le cas de le dire. Alors ensuite, ce sera par là-bas. Vous entendez ce bruit ? C'est flippant, hein ? On a exploré, c'est marrant parce qu'on pourrait croire qu'on a exploré beaucoup et en fait on a exploré que grosso modo la moitié de la zone. Mais ce qui est bien c'est que dans la moitié qu'on a exploré, on a oublié aucun objet important. Alors là il va falloir faire un choix. Ce choix pour moi ça va être d'aller chercher évidemment l'objet en premier et ensuite de revenir. On va avoir le droit à un petit combat à ce que je vois. Bon après c'est dommage, les démons là, c'est les deux mêmes depuis tout à l'heure qu'on combat en fait. T'as pris cher là mon coco. Allez ! Je crois que j'ai pas subi un pet de dégâts avec lui. Ah c'est beau ça. Ah ça c'est beau, un petit rein S en plus, on est content. Alors attendez, là par contre j'ai peut-être allé tout droit. Faites voir. Ouais je me doutais que c'était par là-bas mais on va d'abord aller par là-bas, c'est optionnel et on va récupérer un peu tous les contenus annexes avant de continuer. On en a un premier tout de suite à droite, ce sera un point d'exclamation donc qui nous permettra de parler à un jeune homme qui est en flip également. Basique. Et on a eu les 4, c'est bon. Ensuite, on a encore deux directions. Ces deux directions, celle que je voulais absolument faire, c'est celle qui va à gauche là tout de suite dans l'immédiat. Ah, malheureusement, quelqu'un est mort ou a été blessé. Waouh. C'est sympa. Par ici. Ah. Ah oui, Inosuke n'est pas commode. Bref, dans tous les cas, je suis là pour ceci, moi. Enfin, dans un premier temps, ce qu'il y a là. Et dans un deuxième temps, ce qu'il y a de l'autre côté. Je trouve ça vraiment sympa, ce système de vue un peu changeante qui nous permet d'avoir des plans un petit peu plus jolis, un petit peu plus éloignés. Bon, ben, je pense que là, ce côté-là, c'est bon. Et il me reste que... le point là-haut pour ensuite aller ben, vers la zone de fin finalement j'ai envie de dire. Putain c'est cool franchement, c'est super super cool. Ok ok ok. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça... Ah oui, c'est elle.
ありがとう。助かったよ。君、名前は？Elle est pas là pour te sauver la vie. Elle est là. Enfin, en soi, si. Parce que son but, c'est quand même de se battre pour les humains. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est là pour réussir la sélection, comme la plupart des personnes présentes ici. Ok, donc là, on est bon. Bah écoutez, ce que je vous proposais, ça va être de s'arrêter là pour aujourd'hui. Il nous reste que la petite zone là où on a deux points d'exclamation et un fragment de souvenir à récupérer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère pouvoir vous en faire une autre sans trop de soucis au niveau copyright. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite, bye bye.